Le numéro 1, Mbop Alice, de l'écurie Patrick Mervin, monté par Mark Neges. Le 2, Beautiful Button, de l'écurie Gajedar avec Noël Callot. Le 3, Social Network, écurie Randy Apertob, Roland Boutanive. Le 4, Captain's Chronicle, écurie Ricky Mangar, Raï Durawan. Le 5, Obligation, écurie Gilbert Rousset, Derek David. Le 6, Data Controller, écurie Perdro, Vinay Naiko. Le 7, Earth, Wind and Fire, écurie Vincent Led, Daryl Holland, suivi du numéro 8, City Treasurer, de l'écurie Jean-Michel Henri Rakesh, Bogirotti. Le 9, Port Talbot, écurie Rajramdin Dinesh Soufal. Et le 10, Montante, écurie Shirish Narang, Swapnil Rama. Avec l'entrée de Social Network, le départ est imminent ici. Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour cette première épreuve avant départ de Data Controller, très sollicité à l'extérieur de Port Albert qui assiste côté col. Voilà, Port Albert va partir finalement devant Data Controller. Captain's Chronicle suit très bien en troisième position, accompagné par Social Network. Puis à de longueur, on retrouve Beautiful Button, Earth, Wind and Fire, Montante, Humber Palace, Obligation et en dernière position, City Treasurer. On entame tout juste la descente à 800 mètres du poteau, sous la pulsion toujours de Port Albert, qui contrôle les opérations sous la montre de Dinesh Soufal. Data Controller est toujours deuxième. Captain's Chronicle toujours idéalement placé. De leur sillage à Social Network, Beautiful Bhutan. Ensuite, on retrouve Earth, Wind and Fire qui évolue à l'extérieur de Montante. Humber Palace à l'extérieur de Obligation, City Treasurer, toujours en dernière position. On va accrocher la rue du gouvernement avec Port Albert et qui ouvre toujours la voie. Data Controller
Controller, toujours à l'extérieur de Captain's Chronicle. Beautiful Button a déboîté, se porte maintenant à l'extérieur de Social Network. À l'arrière, on se rapproche avec Montante, avec Obligation et Amber Palace. Alors qu'on aborde la courbe avec Port Talbot, qui va tenter de repartir maintenant. Captain's Chronicle va gicler côté corde. À l'extérieur, Beautiful Button va faire son effort. Data Controller également là, mais Port Talbot a toujours l'avantage. Captain's Chronicle, Beautiful Button à l'extérieur, mais Port Talbot a toujours l'avantage. Port Talbot devant Captain's Chronicle, Beautiful Button. Eh bien, Port Talbot qui tient sa gageure dans cette première course en remportant une belle épreuve, en le faisant de bout en bout, même s'il n'avait pas été extrêmement rapide à l'ouverture des boîtes. Dinesh Schofield s'est bien battu pour garder la lice, profitant pleinement de son premier couloir. Et Dinesh, ce voilà, résiste jusqu'au bout, comme on dit. Oui, je suis un peu paniqué. Le départ était une sortie un peu lente. Ma trousseuse finit de crier, parce que je me suis dit, je ne vais pas trapper ce cheval-là, parce que je trappe ce cheval-là, les boules à guerre sur la bousse. Il fallait y aller devant, même pour les capables de gagner. Mais une bien fight back en ligne droite, une gagne sur les courses. Je remercie M. Raj qui me fait ma confiance de moi à la montre-là. Je me suis amené une victoire pour lui, rater semaine dernière, gagner sa semaine-là. J'espérais qu'il ramène des victoires encore pour l'Iska à la fin de saison. Ça, la fin de la journée ici, par contre, quand même encore en bas. Alors, c'est vrai que Dinesh monte en confiance, et victoires qui s'enchaînent depuis un bout de temps. C'est vrai que c'est important. Oui, c'est important plus pour gagner un bon la montre. Si vous gagnez un bon la montre, normalement, vous gagnez les courses. Vous pas gagner un bon la montre, pas pour gagner les courses. Et vous avez besoin de facteur la chance dans les courses. Et vous avez dit ça nous est pour moi, vous gagnez les courses ça. Comme on gagne le premier couloir, l'inal devant, si tu gagnes un mauvais couloir, ben, définitivement, il va se gagner les courses. Alors, Dinesh, sinon, au départ de la grande course avec Tales of Bravery, que tu montais la dernière fois, on a eu l'occasion de monter à l'entraînement. Qui est un peu ou l'état d'esprit et comment on trouve ce val-là? Ce val-là, très bien. Et je pense qu'il a amélioré les courses. Et... Il y a une bonne couleur cette fois-ci, pour Adage, je pensais qu'il y a dans le grand course avec une chance. J'espérais qu'on fait une bonne course. Si gagner, c'était une grande victoire pour moi-même. C'est la première classique qui m'a si gagné. Et c'est une grande chose pour moi. Ah, on va croiser les doigts pour vous, Dinesh, et pas oublier Boss. Hein? Oui, je disais ça à mon garçon. Et puis, j'ai un camarade qui disait moi, hier, il était formé, je fais une démarche, dédié une victoire pour moi, si tu gagnes aujourd'hui. Imran m'a fait dédié ça pour lui ici, et ma madame, bien sûr. Merci Dinesh, bravo. Merci. Bravo. Donc Raj, eh bien, félicitations. Port Talbot, c'est un cheval qui ne vous laisse pas tomber. Hein. C'est un cheval qui répond souvent présent, qui gagne ses courses chaque année. Et cette saison n'a pas été une dérogation à la règle. Oui, ce n'est pas une dérogation, mais j'ai eu la malchance pendant 3 semaines. Que des secondes, il était temps que je gagne une course. Et cette fois-ci, c'est la bonne. La première ligne, définitivement jouée pour lui. Et je veux dire, c'est un cheval, si vous luttez avec sa tête, c'est foutu. Il perd la course. Alors, vous étiez le star pronostiqueur dans Race 1, mais vous n'avez pas caché que vous aimiez bien ce petit cheval dans la première.
Oui, mais je ne cache jamais au public quand j'ai une chance. Mais malheureusement, des temps, parfois je perds la course bêtement, je deviens second, troisième. Ça dépend des circonstances. Si Potaber avait eu 8e couloir, il n'aurait pas gagné, comme dit Souffoul. Et là, je dois remercier mon stable supervisor, M. Nirad Gazedor, qui m'aide tout le temps, et surtout dans un moment difficile. Je crois qu'il faut lui passer un petit peu la parole. Alors, justement, Raj et M. Galadar, si on a envie d'investir aux courses et qu'on veut rentrer membre de l'écurie Raj Ramdin, que faut-il faire? Ben, il faut venir investir, il faut acheter un cheval. Et comment on fait? On contacte qui? Comment ça se passe? Raj Ramdin, ou moi-même, ouais. Et donc, Raj, donc c'est, si on veut vraiment investir, on vous téléphone, ça se passe à travers le Turf Club? Ça dépend, il peut venir me voir directement, mais actuellement, c'est difficile d'avoir des personnes qui veulent acheter des chevaux à cause du MRA. C'est pas facile d'avoir des owners. Mais si vous ne gagnez pas de course, personne ne viendra investir chez vous. Hein. C'est normal. Alors, Raj, sinon, la grande course, à l'entraînement, qu'avez-vous vu? La grande course, j'aime bien Kremlin Captain et One Cool Joke. Eh bien, merci. Eh bien, bravo. C'est une belle victoire d'équipe en espérant que eh bien, ça va vous donner de la chance pour remporter encore quelques-unes jusqu'à la fin de l'année, Raj. Bravo. Donc voilà les impressions de l'entraîneur après cette victoire de Port Albert, deuxième la dernière fois, et qui fait vraiment un grand numéro aujourd'hui de son premier couloir. C'est à vous, messieurs. On va suivre la deuxième course de la Fraser Private Banking Cup sur 1365 mètres. Le 1 Hancock's Dynasty de l'écurie Pedro monté par Vinay Naiko. Cheval numéro 2, Just to Be Brave de l'écurie Rameshwar Gajada monté par Sunil Bassant. Le 3 Man of His World de l'écurie Sailesh Ramzin monté par Rakesh Bogiroti. Le 5 Lord Harold de l'écurie Gajdar monté par Noël Callow. Le 4 Call of Courage est déjà en piste. Le 6 Red Lotus de l'écurie Shirish Narang monté par Réa Zoulash. Le 7 c'est le gris de l'écurie Maingar, Ted Bassett. Raiju Rawan se mettra en selle probablement derrière les stalles de départ. Et le 8, Canadian Club de l'écurie Mervin, monté par Swapnil Rama, suivi du 9, Mediterranean Man de l'écurie Jean-Michel Henry, monté par Girish Goumani, Mediterranean Man. Et ce sera le départ de cette deuxième épreuve dotée de la Afrasia Private Banking Cup. Voilà, c'est parti pour cette deuxième épreuve avec Just Be Brave sollicité, mais Man of His World, comme on s'y attendait un peu, qui semble être le plus rapide à l'extérieur. Voilà, Man of His World va partir devant Just Be Brave. Canadian Club, pour l'instant, en troisième position. À son extérieur, Lord Hall évolue à l'extérieur également de Mediterranean Man, qui est rejoint par Hancock Dynasty, juste devant ses chevaux en épaisseur. On retrouve Red Lotus. Ensuite, il y a Color of Courage. On ferme le cortège avec Ted Bassett. On est dans la ligne opposée, bientôt plus que 900 mètres à parcourir. Man of His World a toujours le meilleur avec Lord Hall qui s'est rapproché en deuxième position à l'extérieur de Just Be Brave. Red Lotus toujours en épaisseur. Ensuite, on retrouve Call of Courage, Canadian Club, Hancock Dynasty. Ensuite, on retrouve eh bien, Mediterranean Man, Ted Bassett. Je vous accroche la rue du gouvernement. Man of His World, Just Be Brave toujours en deuxième position. Lord Hall toujours menaçant en troisième position. Call of Courage s'est rapproché le long du rail. Ensuite, Ted Bassett, Hancock Dynasty sont lancés alors que les chevaux vont aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Man of His World qui va tourner en tête avec Just Be Brave qui va gicler côté corde. On va tenter de revenir avec Lord Hall, Ted Bassett, Hancock Dynasty complètement à l'extérieur. Mais Man of His World a toujours l'avantage à l'extérieur. On termine fort avec Ted Bassett, avec également Lord Hall, mais Ted Bassett va s'imposer.
Eh bien, Ted Bassett, qui est exact au rendez-vous dans cette deuxième épreuve, très bien montée par Raju Ramon, qui a su attendre le bon moment pour presser le bouton rail exactement, où tu sentis que tu es ronze ou frais, comme nous dire, à l'entrée du virage. Dès qu'il demande l'effort, Chouala très très bien répondu. Et pour moi, un grand merci pour moi avant, pour l'entraîneur, et pour mon entraîneur et pour mon propriétaire qui fait, parce que nous passons un moment bien difficile et ça peut bien peut dans nos sens à se taire. Et bon, nous, tu gagnes mauvais la ligne, parce que si nous pas, si nous pas trompé, la dernière fois tu favoris. Et là, on gagne mauvais la ligne, nous décide pour galoper ce cheval-là là, hier. Et c'est un petit peu la sens qui nous réussit descendre la descente. Et à 400 mètres, moi, tu peux attendre bien tournant, qui tout le temps mon entraîneur qui nous fait moi comprendre. Qui bisent attendre, bisent patient, c'est qu'il faut faire. Et la ligne droite, souvent là même qui l'amène moins. Hein? Et souvent là, une bien développe sur so cadence qui ne suis pas attendre. Et sinon, Rai, dans la prochaine, pas de pas attendre, mais pourtant, ensuite, il y a Billy Bo Jungle dans la quatrième, qui est acquis, où tu gagnes une solide écho la dernière fois. Il y a un favori logique, pourrait-on dire. Bon, et oui, il y a un grand sens, il y a l'Ali, il y a un peu tout, mais c'est moi, on a bien respecté le cheval numéro 1. Et pour moi, si les galopes, ça les cause qu'ils s'est galopé la dernière fois, pourquoi bien oui. Eh bien, Rai, bravo et merci d'être avec nous pour poser l'interview, comme le dire. Merci et maintenant, pour faire ressortir un grand merci encore pour ma famille, ma madame et mes deux enfants qui, la dernière fois, ils étaient à l'église et disaient bon, ils m'ont prié pour toi. Un grand merci. Merci, Rai, bravo. Donc voilà les impressions de Raju Rawan qu'on n'a pas souvent à l'interview. On a pu mettre la main sur l'entraîneur, il a répondu présent, on l'en remercie. Messieurs, c'est à vous. La troisième course, la Freesia Capital Management Cup, 1600 mètres, benchmark 41. Avec le numéro 1 New Star de l'écurie Gilbert Roussette, monté par Derek David. Le 2 Trinus de l'écurie Girish Narang Dinesh Suffol. Soit suivi du numéro 3, Prince of Troy, de l'écurie Randy Apertob avec Jean-Roland Boutaniv. Prince of Troy. Le 4 étant Blue Lord. Blue Lord, de l'écurie Vincent Lett avec Daryl Holland. Le 5, Urbien Orbi, de l'écurie Gjdar Noël Kalo. Le 6, Kula, de l'écurie Pedro Vinay Naiko. Et le 7 Brave Leader, écurie Rameshwar Gajdar, monté par Michel Tihar. Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour cette troisième épreuve. Elle est dotée de la Afrasia Capital Management Cup, 1600 mètres à parcourir. Brave Leader, pour l'instant, est le plus rapide devant Kula, qui donc évolue à l'extérieur de Prince of Troy, qui suit très près aujourd'hui. Herbie Orbi évolue à l'extérieur de Trianus. Ensuite, il y a Blue Lord qui évolue à l'extérieur. Il y a New Star en dernière position au passage du but. Alors qu'on est toujours en pleine montée avec Brave Leader qui creuse quelque peu l'écart à l'avant. Avec deux longues à l'avant sur Prince of Troy, toujours accompagné à l'extérieur par Kula. Herbie Orbi est tout juste derrière et court à l'extérieur de Trianus. Ensuite, New Star, Blue Lord, bot à bot, fermant le cortège. On est dans la ligne opposée, bientôt plus que 800 mètres à parcourir. Brave Leader a toujours l'avantage avec deux longueurs d'avance sur Prince of Troy. Kula en troisième position à l'extérieur de Trianus. Ensuite, il y a Herbie Orbi, New Star, Blue Lord. À 600 mètres du poteau, se dirigeant vers la rue du gouvernement, avec et toujours Brave Leader qui a le meilleur devant Prince of Troy. Kula, toujours troisième à l'extérieur de Trianus qui s'est bien rapproché le long du rail. Herbie Orbi, New Star, Blue Lord, toujours en dernière position alors qu'on va aborder la courbe dans quelques foulées, avec Brave Leader qui va amener le peloton en ligne droite, avec Kula qui est lancé, Prince of Troy également là, Herbie Orbi, Trianus, New Star, Brave Leader qui tente de repartir maintenant, avec Kula qui va terminer de plus en plus fort. Herbie Orbi, New Star qui va gicler côté corde, avec New Star qui termine de plus en plus fort. Herbie Orbi à l'extérieur, New Star, Herbie Orbi, New Star, New Star, Herbie Orbi.
Eh bien oui, belle victoire de New Star, favori d'épreuve, exact rendez-vous, mais surtout belle montre de Derek David qui passe vraiment dans un trou de souris pour venir la chercher celle-ci, Gilbert. À l'issue d'une somptueuse arrivée entre Herbie Herbie qui lui a fait le move à l'extérieur, mais le fait d'avoir insisté côté corde le fait peut-être la différence. Oui, non, c'est sûr, ça n'a pas été une course courue comme d'habitude pour New Star qui aime venir un peu de loin, et là ça a été réduit à un sprint en pleine ligne droite, et heureusement qu'il a eu il a eu le passage et il a eu à batailler dur, et mais c'est un petit cheval courageux, une belle victoire et ça fait plaisir. Un Derek David un peu plus déterminé en lui donnant quelques coups de cravache à l'entrée du virage, ça s'est vu. Est-ce que ça aussi, ça a eu sa petite réussite? Comme je vous dis, c'est un cheval, donc à partir du 1600, du 1800, il faut commencer à le mettre en action. Là, il était fermé dans un tiroir, le train n'était pas extraordinaire. Et donc le cheval avait tendance à drop le beat et il a fallu le réveiller à un moment donné. Alors, New Star, c'est fait. Donc, on a les regards certainement tournés sur la grande course. Gilbert, deux chevaux au départ. Albert Money, qui a retrouvé sa meilleure condition. Également Everest, qui vous a fait plaisir la dernière fois. Comment sont-ils? Comment s'est préparé? Comment ça s'est passé leur préparation? Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'eux? Non, bah, écoutez, tout s'est très bien passé. Les deux restent sur une belle victoire. Et donc aujourd'hui, c'est le jour J, 1600 mètres, poids pour âge, on ne peut pas se plaindre des lignes. Aujourd'hui, que le meilleur gagne. C'est clair que Kremlin Captain fait figure d'épouvantail, mais c'est la première fois qu'il rencontre vraiment les meilleurs chevaux de l'île. Alors non, une course intéressante. Tout à fait, on l'attend avec beaucoup, beaucoup de plaisir, ce grand moment de sport que nous allons vivre. En tous les cas, Gilbert, bravo pour cette belle victoire sur New Star et en espérant qu'il y aura une autre au cours de la journée. Merci. Voilà, et on attend également la prestation de Jane Constance qui est ici au Champ de Mars et qui va certainement ravir tout le public présent puisqu'elle chantera après la quatrième course. Un autre bon moment qu'on va vivre ici. Sur ce, on retrouve Jug et Rajiv. C'est à vous, messieurs. Catwalk Model se dirige déjà vers les boîtes de départ. Le de Lord Wellington de l'écurie Narang, monté par Niven Mardé. Lord Wellington, suivi du 3. Billy Bojangles de l'écurie Mangar, monté par Rai Jurawan. Le 4, Shield of Thunder de l'écurie Rajramdin, monté par Dinesh Souffle. Le 5, Domani, de l'écurie Jean-Michel Henry, monté par Rakesh Bogherotsi. Le 6, Double Dash, de l'écurie Mervin, monté par Mark Nages. Le 7, Obama, de l'écurie Gilbert Rousset, monté par Derek David. Et partant numéro 8, Dreams Come True, de l'écurie Randy Apertob. Dreams Come True est monté par Riaz Oulash. Domani, qui reste sur une bonne victoire. Le départ est imminent ici. C'est parti pour la Afrasia Corporate Banking Cup. 1500 mètres à parcourir avec Shield of Thunder. Bien parti, Obama à son extérieur. Domani également qui tente de surmonter sa ligne extérieure. Mais Obama pour l'instant reste le plus rapide. Rejoint à l'extérieur par Domani. Rakesh Bagherotti assiste quelque peu. Ensuite, on retrouve Shield of Thunder. Billy Bojangles est quatrième. Catwalk Model, cinquième. Rejoint à l'extérieur par Dreams Come True. Ensuite, il y a Lord Wellington Double Dash en dernière position. On est en pleine descente à 900 mètres du poteau avec Obama qui a toujours le meilleur devant Domani qui court à l'extérieur de Shield of Thunder. On se rapproche également avec Billy Bojangles, Catwalk Model. À l'extérieur, Dreams Come True. Ensuite, Lord Wellington Double Dash à 600 mètres du poteau. On se dirige vers la rue du gouvernement, toujours sous la pulsion de Obama. Toujours intraitable dans la course à l'avant. En deuxième position, Domani à l'extérieur de Shield of Thunder. On se rapproche également avec Billy Bojangles, Catwalk Model. Également là, Dreams Come True. Double Dash également lancé à l'extérieur de Lord Wellington alors qu'on va aborder la courbe avec Shield of Thunder qui passe à l'offensive, lancé par Dinesh Souffle à la corde. Eh bien, on tente de revenir avec Catwalk Model, mais Shield of Thunder a mis le nez devant avec Billy Bojangles qui tente d'arriver à l'extérieur. Mais Shield of Thunder va le faire de bout en bout. Shield of Thunder, deuxième Billy Bojangles, troisième Double Dash, quatrième Catwalk Model.
Eh bien, Ralph, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais on a encore des frissons sur tout le corps, tellement ce moment était magique. Ce moment était magique. Je l'ai vu chanter sur TF1, je crois, et c'était émouvant. Comme au cours, where there is a will, there is a way. Donc, vraiment, on a vécu un moment très fort. Alors, Shield of Thunder, qui sort le grand numéro aujourd'hui, Raj, pour vous offrir le doublé. Toujours bien placé dans la course. On sentait qu'à 400 mètres du poteau, il était vraiment sur le mort. Il voulait vraiment y aller. La dernière fois, il avait la malchance de rater le départ. Et j'ai dit au handlers de le mettre en dernière position dans les stalls. Souffle a monté une course parfaite. J'ai dit de s'asseoir derrière Obama et... avant le dernier tournage, je savais que j'avais course gagnée. Donc, ce full de plus en plus en confiance. Hein. C'est vrai que le jockey gagne quelques courses depuis quelques semaines. Et c'est ce facteur de confiance qui fait souvent la différence. Oui, surtout quand un jockey monte avec force et il monte bien en course, que ce soit un cheval favori ou c'est un cheval outsider, il monte tous ses chevaux comme il veut le faire. Et c'est pourquoi j'ai mis sur mes 4 chevaux aujourd'hui. Ça me donne raison. Alors, la fête va être très belle certainement à l'écurie aujourd'hui, Raj. Non, c'est... Vous savez, comme je vous ai dit, j'ai eu la malchance pendant des semaines et des semaines, des secondes. Maintenant, la roue a tourné en ma faveur. Eh bien, bravo, Raj. Un beau doublé. Merci. Donc voilà les impressions de M. Raj Ramdin après la victoire de Shield of Thunder dans la quatrième. Eh bien, le temps de se reprendre ses esprits après cette... Eh bien, c'est ce qu'on vient de voir avec Jane Constance ici. Et on va se retrouver juste après sur le plateau. C'est à vous, messieurs. Le numéro 1, Hot Rocket de l'écurie Vincent Allette, monté par Daryl Holland, le 2 Guida. L'écurie Patrick Mervin, Mark Neijus, le 3 Spen Emperor. L'écurie Gilbert Rousset avec Nitti Schudit. Le 5, Mr. Leon de l'écurie Rameshwar Gajdar Swapnil Rama. Le 6, Count Rocket. L'écurie Ricky Mangar, Aïd Rawan, le 7 Al Capitano. L'écurie Jean-Michel Henri, Rakesh Bogirotti. Le 8 The Real Hero de l'écurie Gilbert Rousset, Derek David. Le numéro 4 étant Istikra de l'écurie Vincent Allette, confié à Sunil Bassant. Voilà, ils sont partis. Départ un peu lent pour Mr. Leon, qui faisait une reprise donc aujourd'hui. Alors, en tête de la course, pour l'instant, nous avons Gida Estrica à l'extérieur, Aspen Emperor comme attendu. Puis nous avons Count Rocket à son extérieur, The Real Hero. Suivant ensuite, nous avons Hot Rocket à son extérieur, Al Capitano en dernière position, décroché complètement pour l'instant. Il s'agit de Mr. Leon. Les chevaux passent plutôt des 1200 mètres déjà avec Istika, avec une bonne longueur d'avance, deux longueurs même, je dirais, devant Aspen Emperor qui s'est rabattu en deuxième position, en troisième position à deux longueurs. Nous avons Gida, à deux longueurs de Gida, The Real Hero, favori de la course. Puis nous trouvons le cheval Count Rocket avec à son extérieur progressant se trouve le cheval Al Capitano. Puis nous avons Hot Rocket et Mr. Leon qui s'est recollé au peloton. Plus que 600 mètres environ à parcourir, Estrica toujours en tête avec deux bonnes longueurs d'avance sur Aspen Emperor qui le tracte ici avec Ansel, l'apprenti Oudit. En troisième position, Gida, alors que Al Capitano a commencé sa descente, se place à l'extérieur de Royal Hero. Puis nous avons Chalibar Counts Rocket. Hot Rocket est à l'arrière en compagnie de Mr. Leon. Les chevaux entrent dans la ligne droite finale. The Real Hero aisément à l'extérieur, maintenant suivi de Hot Rocket, The Real Hero en tête de la course. Hot Rocket à l'extérieur, Mr. Leon essaie d'arriver. The Real Hero et Hot Rocket, The Real Hero ou Hot Rocket à l'extérieur, mais The Real Hero va les gagner cette course. Hot Rocket ou The Real Hero.
Eh bien, Hot Rocket, qui se rappelle des bons souvenirs, Vincent, remportant une belle victoire. C'est vrai que le cheval avait très, très bien couru la dernière fois. Il montrait qu'il avait retrouvé, qu'il retrouvait du moins petit à petit son meilleur niveau. Aujourd'hui, 62 kilos sur le dos, mais une monte très patiente de Daryl Holland qui sait vraiment attendre le bon moment pour presser le bouton. Et le cheval sort une accélération comme lui seul sait le faire, mais un grand Daryl Holland également. Qui le mène à bon port. Effectivement, Jean-Philippe, le joker, a monté une très belle course. On avait planifié un peu de courir de cette façon. Et malheureusement, le cheval est resté dans le box pendant pas mal de temps. On n'avait pas de course. C'est pour ça que j'ai dû l'engager aujourd'hui avec 62 kilos sur le dos, vu le gros manque d'effectifs que nous avons actuellement. Et bon, il a pu le faire. Bon, je ne craignais pas tellement. Bon, il y avait The Really Rook avec quand même 56 kilos, mais lui, il montait de classe et moi, je descendais de classe. Et bon, ça fait quand même plaisir. Il fallait venir chercher The Really Rook avec 56 kilos. Mais une très belle montée de Daryl. Et j'ai un petit mot spécial pour Gérard, qui est un de ses propriétaires, qui n'est pas là. Et qui doit certainement vous regarder. On le souhaite un prompt rétablissement. Vincent, c'est vrai que cette victoire a certainement fait beaucoup plaisir. Vous avez cru à l'entrée du virage ou bien vous avez dit que ça va être difficile parce que Real Hero donnait l'impression de partir assez facilement? Oui, mais la fois dernière, Jean-Philippe, quand il a fait troisième avec Sunil Bundu en selle, il était en queue de peloton, il a quand même donné un bon coup de rein en ligne droite, il n'avait pas eu le passage et j'y croyais. Alors Vincent, dans la grande course, c'est vrai qu'on aura un lot, tous les meilleurs y sont pour ce dernier classique où Crimson Captain vient ajouter, comme vous voulez, dans les grands classiques comme cela, un attrait puisqu'il court pour une 9e victoire consécutive, ce qui n'est pas rien. Vous, à l'entraînement, vous avez certainement eu l'occasion quelquefois de voir un peu ces chevaux travailler. Vous avez un penchant pour lequel? Pour moi, cette course, ça va se jouer en 3 chevaux pour moi. D'après, enfin, j'ai pas de part à temps dedans. Quand j'ai vu le travail de Crimson Captain mardi, il m'a laissé une très belle impression. Il y a One Cool Jude qui a très bien travaillé. Et il y a aussi Love Struck. Bon, je ne sais pas si c'est un coup de cœur parce que Daryl monte le cheval, mais je pense que ces 3 chevaux-là vont disputer l'arrivée. Que le meilleur gagne. Eh bien, merci Vincent, c'est vrai, hein, comme on dit souvent, que le meilleur gagne. On va vivre certainement un grand, grand moment de sport. En tous les cas, bravo pour vous. Très belle victoire du vieux, mais toujours vers Hot Rocket qui continue à vous faire plaisir, Vincent. Effectivement. Bravo. Donc, sur ce, on retrouve Jog et Rajiv. Et quant à nous, dans quelques instants, avec d'autres invités, c'est à vous, messieurs. Oui, donc on va vivre un moment important de la saison, un tournant si vous voulez, donc pour le titre de cheval de l'année ou encore pour le titre d'écurie championne, attendons voir. Voilà Derek David qui demande à ses supporters donc de donner de la voix ici, le 7 Everest, chez le gris Everest. Et puis donc voilà, Kremlin Captain, majestueux comme toujours, qui va se rendre derrière les stalles de départ où Noël Calou va se mettre en selle. Sinon, vous avez vu donc à la parade avec la présentation des différents partants qui se disputent l'édition 2015 de la Coupe d'Or, à savoir le numéro 1 Bulsara de l'écurie Gajelaar, monté par Rakesh Bogirotsi. Voilà donc comme un ancien gris du Champ de Mars qui dirige la parade officielle, Bulsara le numéro 1 avec Rakesh Bogirotsi en selle, le 2 Albert Money de l'écurie Gilbert Roussette monté par Nisha Altia, le 3 One Cool Jude de l'écurie Ricky Menger monté par Rai Jurawan, le 4 Tales of Bravery de l'écurie Menger également avec Dinesh Souffle en selle, le 5 Love Struck de l'écurie Patrick Mervin confié à Daryl Holland, le 6 Liquid Motion de l'écurie Patrick Mervin monté par Mark Neiges. Le 7 Everest de l'écurie Gilbert Roussette monté par Derek David. Et partant numéro 8, eh bien, Kremlin Captain de l'écurie Gajelaar monté par Noël Calou. Kremlin Captain qui partira du 6e couloir. Alors... Avec l'entrée de Love Struck, le départ est imminent pour ce rendez-vous classique.
Et c'est parti pour la Afregia Duke of York Cup. 1600 mètres à parcourir avec un bon départ de One Cool Jude à l'extérieur. Everest également est bien parti avec Albert Mooney, comme on s'y attendait, qui va lancer cette épreuve. Albert Mooney devant Everest, One Cool Jude est troisième avec Crimson Captain qui court à l'extérieur de One Cool Jude. Tales of Bravery est tout juste derrière. Ensuite, on retrouve Love Struck, Liquid Motion, Bulsara. Pour l'instant, attend son heure en dernière position. Alors qu'on a déjà entamé la descente avec Albert Mooney, qui a pris un train soutenu, assez soutenu, je dirais, modéré même sous la montre de Nichel Tia. En deuxième position, on retrouve Everest qui a trouvé les barres avec Crimson Captain qui est troisième à l'extérieur de One Cool Jude, Love Struck, Tales of Bravery, Liquid Motion, Bulsara. Bientôt plus que 650 mètres à parcourir, on se dirige vers la rue du gouvernement, toujours sous la pulsion de Albert Mooney qui ouvre la voie. Deuxième position, Everest, Crimson Captain se rapproche à l'extérieur d'Everest. One Cool Jude est quatrième côté corde, rejoint par Love Struck, Tales of Bravery, Liquid Motion, Bulsara, toujours en dernière position alors qu'on va aborder la courbe pour entrer en dernier, en ligne droite finale sous la pulsion de Albert Mooney qui va être accroché par Everest avec Crimson Captain à l'extérieur, One Cool Jude. Ah mais Albert Mooney a toujours l'avantage avec One Cool Jude, Everest à l'extérieur. Mais Albert Mooney a toujours l'avantage, One Cool Jude termine de plus en plus fort, One Cool Jude. Senti Ricky Mingard ému, c'est vrai que c'est beaucoup plus par la présence de Jane à vos côtés que les chevaux, parce que les grandes courses, vous avez des victoires dans les grandes courses, vous en avez connu Ricky, mais One Cool Jude, qu'on disait le principal challenger de Crimson Captain, est exact au rendez-vous aujourd'hui, c'est lui le plus fort. Je pense oui, le cheval était très bien, était confiant. Quand il était à la deuxième ligne, je me suis dit ça va. Celui qui le battra gagnera la Coupe d'Or. Je dirais surtout de ne pas laisser Everest partir à plus de deux longueurs de lui parce qu'il est très très bien ce cheval-là. J'ai vu tous ses galops. Il est vraiment en forme sublime. Mon cheval aussi, je pense. On l'a bien amené au niveau voulu. Et la course s'est déroulée comme un rêve pour nous. Et je dirais, tu sais, l'arrivée, ce n'est pas aux 1400, c'est au poteau du but. Donc, ne fais pas trop d'efforts trop tôt. Garde quelque chose pour les derniers 50 mètres. Il a monté d'une façon magnifique et c'est une belle victoire.
Alors, les moments difficiles que vous avez traversés, Ricky, les victoires qui n'arrivaient pas à s'enchaîner. Depuis deux semaines, on sent que l'écurie a retrouvé... et voulu nous annoncer que c'est des problèmes que vous aviez réglés. Les chevaux couraient de mieux en mieux. Déjà, la journée avait très, très bien commencé. Et One Cool Dude, que vous nous disiez la semaine dernière, que le cheval était on the upcoming, que vous l'avez bien préparé pour cette course, vous offre ce dernier classique. C'est un peu la cerise sur le gâteau et pour oublier tous ces moments difficiles. Bien sûr, One Cool Dude, c'est un cheval facile à entraîner, donc ça aide ma tâche. Et je dois dire qu'il a été un peu malchanceux dans le barbel. Je ne pense pas qu'il a eu une monte exceptionnellement bonne. Mais enfin, ceci dit... Vous savez, derrière Boulsara, deuxième, il n'y a rien à rougir. C'est un cheval qui a rempli son contrat cette année, certainement. Il a gagné deux courses de groupe 1, on ne va pas demander plus. C'est un cheval qu'on le reverra l'année prochaine, certainement. Alors, on dit souvent que ce pas de 2004 à 1600 mètres est infranchissable. Il y a deux chevaux qui l'ont fait cette année, Elverest, que vous craignez, et votre cheval qui est très, très bien revenu sur la fraîcheur. Oui, vous savez... Écoutez ce que les gens disent, ça m'a jamais émerveillé. Vous voyez ce que Gilbert Roussette a fait avec Everest en bien moins de temps que moi. Il a réussi à gagner à 1500 mètres cinq semaines après le... Si vous savez ce que vous faites, je ne pense pas que c'est un souci. Quoi. Et Kremlin Captain qui avait fait un galop époustouflant mardi matin et qui courait pour une 9e victoire. Est-ce que vous le craignez, Ricky? Pour vous dire franchement, je craignais plus Everest que Kremlin Captain pour la bonne et simple raison que si cette course était un handicap, Son rating est 62, on aurait à lui rendre quelque chose comme 10 kilos. Et je me suis dit, j'ai dit à Raï, si on ne le bat pas aujourd'hui, on ne le battra jamais. Donc pour moi, ce n'était pas le plus gros danger. Je craignais surtout Everest. Quelqu'un que vous voudriez déduire cette victoire aujourd'hui, Ricky? Cette jeune fille qui est patente, quoi. Merci, Ricky. Bravo, bravo. Félicitations. Très, très belle victoire de One Cool Dude et de Raï Jurawan, qui l'a très, très bien monté, messieurs. Oui, la sortie des chevaux pour la 7e épreuve de la Fraser Treasury Cup sur 1500 mètres avec le Humble Berry de l'écurie Gilbert Roussette monté par Derek David. On voit ici la sortie de Cafel, le 5, le 6 Epicent, suivi du 8 Fort Noble. Pour rappel, le 7 Ocean Hunt a été retiré de cette 7e épreuve pour cause d'incapacité physique. Et c'est parti pour cette 7e épreuve. Elle est dotée de la Afrasia Treasury Cup. Bon départ pour Épicentre côté corde. Straight Jab à l'extérieur, également très bien parti. Pour l'instant, mais quelque peu ardent. Avantage à Épicentre devant Straight Jab. Ensuite, on retrouve Blueberry. Cafel est juste derrière, accompagné à l'extérieur par Bright Shining. Ensuite, on retrouve Fidelis en dernière position, Fort Noble. Je vous entame tout juste la descente, bientôt plus que 1000 mètres à parcourir dans quelques foulées. Épicentre insiste pour le commandement avec Straight Jab qui s'est assis en deuxième position. Mais Blueberry qui à son tour prend les choses en main. Blueberry est parti sous la main de Derek David. En deuxième position, on retrouve Épicentre, Straight Jab est troisième. Ensuite, dans leur sillage, on retrouve Cafel, Bright Shining, Fidelis. En dernière position, toujours Fort Noble à 600 mètres du poteau. Avec est toujours Blueberry qui a l'avantage. Épicentre est toujours deuxième. Straight Jab galope en troisième position. En quatrième position, il y a Bright Shining qui est condamné à l'extérieur du favori Cafel. Ensuite, Fidelis, Fort Noble semble avoir du mal. Alors qu'on va aborder la courbe, eh bien Blueberry creuse l'écart à l'avant avec 2-3 longueurs d'avance à l'entrée du virage sous la montre de Derek David qui va tenter de repartir maintenant. Lancé par le cavalier sud-africain, Straight Jab va tenter de s'amener. Mais Blueberry a toujours l'avantage, Cafel à l'extérieur, mais Blueberry est toujours en tête. Blueberry va le faire un, de bout en bout.
Eh bien, Blueberry, parfait coup tactique de Derek David Sud-Est qui décidait de descendre un peu plus tôt que prévu avec les œillères à nouveau et le pari est gagnant. Oui, la dame a bien remis ses balles pour être là. Donc, on peut passer que c'est Valla qui gagne son premier de course avec Réa Zoulas. Après, c'est Valla qui est en baisse de forme. Et moi, je pense que c'est Valla l'été. Et c'est Valla qui bien travaille dans l'entraînement. Comme je peux dire, c'est Valla Derek David. Je crois que ça a mis un bon outside chance pour aujourd'hui. Après, nous sommes avec Réa Liro. Et je crois que move, early move. Ça a mis mon corps l'aime qui gagne les courses là. Et la dame a bien dit un grand bravo Derek David. Et c'est Valla pour être là. Alors, Sudesh, un peu déçu dans la grande course. Deuxième, troisième, c'est toujours une plus mauvaise place au podium. Hein, Non, pas vraiment déçu. Écoutez, Wild Guljo, un grand cheval, l'Afrique du Sud. Ce rating, il y a trouvé ce rating, même un high semi rating. Et Everest fait une bonne course. Et vous trouvez un cheval 1500, 600 mètres. Et pour moi, Albert Mouni, pour moi, il galope une top les courses. Alors, pression sans demain, comme nous dit, puisque Gayada tient en tête avant l'annonce de sa. Ouais. Sa journée nous fait attendre qu'il est au-dessus des 1000 roupies en tête avant ça les courses là. Maintenant, 100 000 roupies encore, 102 000, 105 000 roupies sud-est. La pression est là pour Bizantini. Non, moi pas de pression. Mon ambition c'est ça. Et comme tout le temps, on dit, plutôt d'attendre des journées, des courses, mais le cas de notre résultat final. Tant que ça se fait dans la bonne humeur et le fair play, comme on dit. Exactement, un fair play. En tous les cas, bravo sud-est. Une belle journée aujourd'hui avec un beau doublé. Merci. Donc voilà les impressions de l'assistant entraîneur M. Sudesh Sisaran après la très belle victoire de Blueberry qui porte son score cette saison 2015 à 2 victoires. Alors que Derek David lui continue son cavalier seul en tête des 8 parades des jockeys. Sur ce, on retrouve Jogger Rajiv, c'est à vous messieurs. Le numéro 1 Mighty Lion de l'écurie Patrick Mervin, monté par Marc Neijus. Sera suivi du numéro 2 Tembo de l'écurie Rajramdin Dinesh Sujol. Le gris Tembo. Le 3 Absalom, écurie Randy Apertob Roland Boutaniv. Le 4 Dunraven, écurie Vincent Led Daryl Hullen. Le 5 qui va s'amener maintenant La Fauché, écurie Shirish Naram Bijanan Bandu. La Fauché suivi de Ice Trigger de l'écurie Rameshwar Gajidar Swapni Drama. Ice Trigger. Ça mène le 7 Timog de l'écurie Jean-Michel Henri Rakesh Bogiroti. Le 8 Aromon Chess, écurie Jean-Michel Henri également, Girish Goumani. Et le 9 sera Space Beam de l'écurie Randy Apertob. Riazoulash, la toque rouge. Voilà, c'est le départ de la dernière course. Pour l'instant, à l'extérieur, nous avons Tembo qui essaie de mettre la pression. Nous avons un Sugar poussé à fond. Nous avons à l'intérieur Aromon Chess. Alors, en tête de la course, pour l'instant, nous avons Tembo qui mène la course avec plutôt Timog en deuxième position. À l'extérieur de Timog, Mighty Lion. Puis nous avons un Sugar à son intérieur. Il y a Absalom. Puis nous avons le cheval Aromon Chess. Derrière, nous avons Dunraven, La Fauché en dernière position, Space Beam. Les chevaux vont passer devant nous pour la première fois. Alors, Tembo menant la course avec tout juste une longueur d'avance sur Mighty Lion, condamné à l'extérieur. En troisième position, Timog. Puis en quatrième position avec la casaque verte, Ice Trigger. À son intérieur, Absalom qui a les barres. Puis nous avons Dunraven qui suit sagement. À son intérieur, il y a Aromon Chess. Puis nous avons La Fauché, Space Beam. Les chevaux vont commencer à entamer la descente dans quelques foulées. Alors que Tembo, toujours en tête, avec une longueur d'avance sur Mighty Lion. En troisième position, suivant toujours à la corde, Timog. En quatrième position, avec la casaque noire, nous avons Absalom. À son extérieur, nous avons Ice Trigger. Dunraven suit Ice Trigger comme son ombre, alors que Space Beam a déboîté pour passer à l'attaque. Et puis ça, nous avons Aromon Chess et en dernière position, La Fauché. Les chevaux n'ont plus que 500 mètres environ à parcourir, alors que Mighty Lion passe à l'offensive. Actuellement, Tembo sous pression à l'extérieur. Nous avons toujours Space Beam, Ice Trigger se mêlant à la lutte. Il y a également Absalom. À l'intérieur, nous avons Timog qui attend son heure. Dunraven n'est pas encore lancé. Les chevaux vont tourner dans la ligne droite finale. En tête de la course, Tembo. Alors qu'à l'extérieur, nous avons Absalom. Nous avons également Timog. Timog sous la cravache. À l'intérieur, nous avons Roman Chess et La Fauché. La Fauché, Timog, La Fauché à l'extérieur, La Fauché ou Tembo. La Fauché ou Tembo.
la première course, Port Albert, qui va bien résister, montée par Dinesh Souffol pour l'écurie Raj Ramzin face à Captain's Chronicle à l'intérieur. La troisième place à Montante et quatrième, Beautiful Bhutan. Tout de force de Rai Jurawan, regardez sur le gris Ted Bassett en pleine piste, ici à la lutte avec Lord Al, Man of His Word. Mais c'est Ted Bassett qui force la décision devant Lord Al, Mediterranean Man et puis Man of His Word. La troisième course, alors à l'intérieur, New Star qui va forcer la décision, montée par Derek David pour l'écurie Gilbert Rousset. Deuxième, Obi & Obi. Troisième, Kula. Quatrième, Brave Leader. À l'issue d'une course de rêve en deuxième, voire en troisième position, Shield of Thunder laisse sur place ses rivaux pour s'imposer brillamment devant Billy Bojangles, Double Dash et Catwalk Model. La cinquième course, Belmont en lice pour le Ride of the Day, Daryl Holland sur Hot Rocket à l'extérieur, qui va venir reprendre The Real Hero. À la troisième place, Mr. Lian, quatrième, Counts Rocket. Rai Jurawan au summum avec One Cool Jude entre Albert Monet et Everest. One Cool Jude termine le mieux pour remporter la Coupe d'Or devant Everest, Albert Monet et le courageux Kremlin Captain finit quatrième. La septième course, Blueberry de l'écurie Gilbert Rousset montée par Derek David, parti aux 800 mètres pour ne plus être rejoint. Deuxième Caffle, troisième Fidelis, quatrième Straight Jab. Et comme c'est le cas depuis quelques semaines, on termine avec un outsider. Il s'agit de Tembo cet après-midi. Le gris de l'écurie Raj Ramzin s'impose devant Lafouché qui termine en trombe à l'intérieur. Tibog finit troisième et Aromanches en tout cas arrivé animé. Et le triplé est réalisé pour Dinesh Souffol et l'écurie Raj Ramzin. Jane a déjà chanté pour le MTC. Elle était là l'an dernier pour la fête de Noël. Jane Constance, lauréate de The Voice 2015, va nous chanter aujourd'hui, et comme attendu, The Prayer. Je vous demande le silence le plus complet, si on ne peut pas va lui passer le micro, car cette belle voix mérite d'être appréciée. Alors encore une fois, des applaudissements avant qu'elle ne commence, on va lui passer le micro. I'll pray you'll be our eyes and watch us where we come and help us to be wise in times when we don't know. Guide us with your grace.
émotion. Merci, merci, merci Jane de nous avoir offert cette possibilité, merci. Ce privilège d'être à tes côtés et de t'entendre chanter The Prayer. Maintenant, Madame Soubagra va remettre un bouquet à Françoise Constance et à Jane. Bravo. En tout cas, notre prière à nous, Jane. Notre prière, c'est que Dieu t'ouvre la voie et reste à tes côtés pour que tu continues ta route. Et je tiens ici à dire un grand bravo à tes parents et surtout à Tony qui a bien voulu accepter de venir ici au Champ de Mars aujourd'hui. Un livre du bicentenaire sera remis à Tony Constance. Et un bouquet à la maman aussi qu'on n'a pas oublié, hein. Françoise Constance, merci encore une fois de nous avoir donné cette possibilité, ce privilège d'écouter cette belle voix pour la Coupe d'Or. Superbe.